Bonjour YouTube et bienvenue sur cette découverte de Death Must Die. C'est parti. Ah, c'est un peu plus pixelisé que sur ce que j'avais vu. Mais ça a l'air plus sympa déjà. Ah, y a l'hitbox. Trop bien. Gave. Il est temps de prendre tes lunettes. Je sais pas si j'ai bien traduit. Ouais, l'aide les mortels. J'aime bien l'interface déjà. Hein. Tu sais que les interfaces, moi, c'est mon Meteor Shower. Oh. Oh. Ah, ça attaque automatiquement quand je suis à portée. Je peux aussi attaquer moi-même. Ok. J'ai l'auto si je clique droit du coup. Bah, c'est vrai que d'entrée le jeu a l'air bien mieux quand même. Ah, je peux passer à 4 météores. Ça, c'est un dash. Arrête, t'es pas un sac à dos sur Hunt. Bah, je sais pas. À partir de 17h, je suis dispo. Non, c'est l'heure où arrête Furio à peu près. Bah, je pense que je ferai du Hunt dès que Emulze peut plus jouer en fait, tu vois. Donc, même avant 17h en fait. Puis après, si Furio veut pas Hunt, il ira sur autre chose, mais. Normalement, il joue, hein. Bah, on va finir balle dure, hein. Puis la prochaine fois, quand on aura fini balle dure, on pourra faire du Raven. Tu vois, il a dit, pas de soucis, je fais du hunt. Donc on sera trop en plus. Bah, tu verras, Furio, en plus, Shadownet, c'est un sac à dos, mais Louis Vuitton, tu vois. Ça me fait toujours très rire quand tu dis que t'as un sac à dos, parce que je suis pas bon sur le jeu en fait, donc ça me fait beaucoup rire en tout cas. Bah, arrête pas de se traiter de sac à dos sur le jeu. Hein. Je me suis fait défoncer. Bon, après, j'ai peut-être pas fait d'effort, mais. I'm back. Ok. Je sais pas où on est, mais c'est très stylé tout ça. Ah, et le furieux, c'est Babouche du coup. Parce que si moi je suis Dora et que toi t'es le sac, furieux du coup c'est Babouche, non? En plus, ça lui va bien, hein. Moi je me suis toujours dit furieux, c'est un singe un peu quand même. Hein. Pourquoi je me défais
Pourquoi je me déplace que dans une ou deux directions hein? Genre quand je vais en arrière? Là ça va à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite, et de l'autre côté, non? Ils ont codé que deux sprites dans le jeu. Ils ont codé que la gauche et la droite en fait. Je sais pas où je vais. Ok, c'est ici qu'on prend les challenges. Array, il n'existe plus. T'es pas au courant, toi. Array a quitté la commu. Oui. Comment je fais là? Il y a un pont à construire? En tout cas, ces montagnes sont super jolies, hein. Je donne un 5 étoiles pour les décors. Ah oui, t'étais pas mal absente ces derniers temps, c'est vrai. Run, tu vas là où il y a de l'eau. Comment ça? Là, du coup, il n'y a rien ici. Time to enter the water. Ah, oui, il a parlé de l'eau, effectivement. Pas dehors. Dans la salle, d'accord. Ah, mais ça y était pas ça. Ok, on est de retour. Après, je sais pas, en vrai, j'aime bien, tu vois. Mais en même temps, je me dis, Furio, c'est pas le genre de jeu où je me lève le matin, je me dis, putain, j'ai envie de jouer à ça, tu vois. Je sais pas. Y a ce petit truc qui manque quand même, mais il est vachement plus sympa que l'autre, en tout cas, ça c'est sûr. T'avais parfaitement raison. Et en vrai, j'aime bien, hein, ça me. Il est sympa, hein, mais il n'y a pas ce truc de je me dis oh putain j'ai envie de jouer à ça. J'avais envie de tester. Mais vous fumez, monsieur. Oh putain, il y a les muses. Ça y est, il y a les quatre, il y a les trois corsaires là. Je suis en train de me dire, t'es là de 13 à 16 toi ou pas, Shadounette en général? Tu pars avant 16h non? Je me rappelle plus à quelle heure à chaque fois tu dois partir. Hein. Qu'est-ce que tu fous en stream? Comment ça? Bah, je suis streamer, moi, monsieur. Du coup, je stream.
Il y a GTFO en vrai, je sais pas si ça te botterait. Moi, il me tente bien. Et Furio, ça le tente aussi. Et Emulze, bah potentiellement, je pense. C'est un jeu qui joue à 4 de base. De base, c'est prévu pour être joué à 4. Il travaille. Ah, j'ai bien dormi ce matin. Hein. En vrai. Quoique je me suis couché tard, franchement. Je me suis couché à une heure et quelques quand même. Hein. Pas tant dormi que ça, en vrai. Hein. Il travaille? Non, il travaille pas, Emulze, normalement. Kezako, c'est quoi ce jeu? GTFO, c'est un jeu où genre tu te balades dans des... Enfin, t'as des maps, des complexes. Je vais dire complexes, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a exactement comme map. Mais en gros, t'as des créatures qui dorment, qui sont en sommeil, en hibernation. Et si tu les éclaires ou tu fais du bruit, tu les... Putain, je dash pas alors que j'ai oublié que je pouvais dash. Et du coup, ouais, tu peux réveiller les créatures en hibernation. Et là, si tu les réveilles, là, c'est la sauce en vrai. Ça se gâte. Ça se gâte de fou, apparemment. Et ça joue de bah, à 4 joueurs normalement. Après, tu peux combler avec des bots. Mais ils recommandent vraiment d'essayer d'avoir des vraies personnes, tu vois. Genre, tu peux combler avec un ou deux bots. Mais même s'ils ont l'air plutôt bien faits, les bots, ils recommandent quand même d'avoir des personnes, quoi. Non, je vais te pop la page Steam. GTFO. En plus, il est en promo, il est à 21 boules, là. Bon, j'essaie de pas oublier que je peux dash. D'ailleurs, contrairement à l'autre, du coup, faut vraiment que tu utilises ton dash dans celui-là, sinon tu te fais saucer par les ennemis. Ça me fait trop penser à Hades, mec, l'interface. D'ailleurs, je peux choisir des... Ah non, c'est juste que j'ai des catégories, ok. Charge, ok. Oh, trop bien! Let's go! Et regarde le trailer Shadounette et dis-moi si tu fais pas envie de jouer. Eh oui, c'est ce que je disais justement. Ouais, je sais. Mais je préfère cliquer. J'aime pas les jeux où je branle rien, tu vois. Ça me trigger en vrai.
Ouais, le tech speed. Ah, j'ai pas de... Faut que je dash. Ah, mais il y en a deux! Au secours! Moins cher sur Instant. Bon après moi je prends jamais mes jeux sur Instant, j'aime pas. C'est quoi ces trucs? Ouah, c'est la sauce, ça. Ah, ils sont chauds, les mobs blancs, en vrai, hein. C'est quoi tout ça? What? What? Ils ont craqué, non? C'était quoi tout ça? Et du coup, il n'y a pas un truc où je peux booster des passifs ou des machins, non? Et là, il n'y a pas de réflexe, il n'y a plus rien. Hein. Il y a trop de trucs là. Ah, je peux stocker. Il y a une stash. Attends, je peux embarquer de l'équipement? Ça veut dire? Je peux sortir vivant avec de l'équipement? Ça marche comment? Pourquoi tu dis ça, espèce de vieux troller? C'est très bien qu'on va finir Baldur en plus. J'ai une clé USB, oui. Mais je sais pas comment on fait le truc. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, mais je comprends rien si c'est un truc de la carte graphique ou de ma carte MSI. Hein.
Mais depuis le temps qu'on en parle, ouais. Ce serait bien, hein. Banish plus 1, reroll plus 1. Qu'est-ce donc que ces trucs, hein? Vas-y, je vais prendre ça. Je sais pas. Ah, par contre, c'est une dinguerie la vague des slimes là. Ouah, c'est quoi ces bonus, mec? Je me tape que des trucs de bonus de vie ou quoi là? Yep, on fera ça. What kind of legend would it be without some fire and mayhem? J'étais faux, du coup, ça te tenterait, toi, Emulze? Et Shadow, du coup, ça te tenterait ou pas? De toute façon, là, j'attends. J'attends de savoir si j'ai une clé des devs. Sinon, je le prendrai vu qu'il est en promo. Bon, je pense qu'il te plaira, Emulze, en vrai. Hein. Ça m'étonnerait fortement que ça te dise pas, tu vois. J'ai joué à des modos, donc je peux jouer à tout. Ça me fait extrêmement rire. Bah regarde le trailer en vrai, tu verras. J'aimais bien mon dash avec les dégâts là, je veux mon dash avec les dégâts. Mais pourquoi j'ai des trucs éclatés comme ça là? J'ai rien depuis tout à l'heure. Comment ça marche? Ah? Mais ça m'a viré le truc carrément. Ah, je peux en bannir un, j'ai pas. Ah, ok, j'avais pas compris comment ça marchait. Altération. Reroll. Ok. Et ça me sert à quoi de banish? Attends, est-ce que je peux le réutiliser du coup? Ou des let's play en vrai, hein. Y a un katana là. Attends, il y a un katana. Comment je le récupère? Ok, bah je sais pas. J'arrivais pas à le prendre. What? Qu'est-ce que je fais avec elle? J'ai débloqué un nouveau perso? Comment ça, j'ai trop cliqué?
Surprise, motherfucker! Là, ça va, calme-toi, Shadownet, c'est juste des pixels, hein. C'est pas Stellar Blade non plus, hein. Oh, c'est des boules de feu! Fireball! Ah, il fait beaucoup parler de lui, le jeu, hein. Bah, en vrai, Stellar Blade, mec, il me fait pas envie, hein, franchement. Je sais pas. Mis à part le fait qu'elle a une bonne physique des boobs et qu'elle est en tenue moulante, je sais pas, le jeu il a l'air fade à côté, tu vois. Ouais, toi en même temps, Furieux, t'es le genre de personne qui mettrait un tapis de souris avec des boobs dessus, donc. Non, Nier est bien mieux. Ouais, on en voit une qui est bien renseignée sur le sujet en tout cas. Hein. Aria. Ah, c'est chaud ça. Faut deux projectiles, mais ouais, je sais pas. Ouais, si c'est intéressant en vrai. Avec le boule de Windmaker. Wayne, c'est pas Wayne Waker ou un truc comme ça là? Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Widow, non, c'est Widow, non? C'est pas Widmaker, c'est Widow. Widowmaker. Bah, je pense que ton. Vu le succès d'Overwatch actuel, je pense que ton. Ton tapis de souris a décoté, mec. Genre, je pense qu'il vaut moins cher qu'avant, en vrai. Oh, plus 3 projectiles. Your attack become stronger en knockback enemy. Attack damage, projectile pierce. Je peux avoir des blades. Est-ce que c'est sur mon dash? Non, là, je crois que c'est pas le dash, hein. Cast rotating blade away from. Ça remplace ma boule de feu du coup. Je peux avoir des épées. Est-ce que ça remplace mon attaque? On va essayer. Ok, non, c'est en complément de mes boules de feu apparemment. Ouais, elles sont déjà là. Je comprends pas comment elle pop. Genre quand j'attaque en fait ça pop comme ça. Moi je m'en servirais hein. Je suis sûr que celui de Loba est très confortable en tout cas.
sais pas, vous savez. Bah en même temps, t'es pas censé l'avoir en main, hein, Furieux, le tapis de souris, t'es censé avoir la main dessus. Ah, c'est un cochon, hein. De quoi ce jeu-là, Furio? Non, c'est le jeu, là. Déjà, il est un peu plus animé que l'autre, quand même. Mais tu l'as toujours, ce jeu, toi? T'y joues, des fois? Il est vraiment plus chaud que l'autre, aussi. Ah, j'ai même pas vu de démo, moi. Il y avait pas de démo, hein. Skeleton when you kill a number of enemies. Donc quand j'en tue 11, je pop un squelette. En vrai, c'est intéressant. Vas-y, bah j'ai buté des squelettes du coup. Je comprends pas comment on prend les trucs. Je crois qu'il fallait que j'appuie sur eux en fait. Et t'as commandé le tacos? Oui. D'ailleurs, dans le premier épisode, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque c'est une VOD pour un autre jeu. Je parlais du Saint-Tacos en fin de vidéo. Et d'ailleurs, pour ceux qui se retrouvent dans cette vidéo aussi, bah, il était très bon. Et j'ai gagné le 1v1 contre le Tacos. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai fait disparaître comme Houdini. Je suis un magicien, moi. Tu le vois? Hop! Tu le vois plus. Ok, là c'est le moment où c'est la sauce. Ouais, bah, ça a été très vite. Comment tu passes ce passage-là, s'il te plaît? Parce que là, franchement, je vois pas. Ou alors c'est fait exprès? C'est scripté, genre? Ils font exprès de te mettre une vague de slime que tu peux pas battre pour que tu meurs? Ouais, je peux choisir le perso du coup. Ok, il faut appuyer sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont avec les lunettes, hein? Il a même pas de lunettes, il a une armure. Je vois pas dans quel monde tu peux tuer autant de slime et mules, surtout qu'ils vont plus vite que toi. Ah ouais, c'est faisable. Putain, c'est chaud, hein. Chaud, hein. Oh, il y a un nouveau truc. Shopkeeper. En vrai, celui-là, je pense que je vais garder. Même si, je sais pas si je vais m'en faire beaucoup, mais... T'as raison, Furio. Il est bien plus sympa que Love Torment. À toutes tes mules.
Et ça, je sais pas si je les perds du coup. Si je meurs, je sais pas si je les perds. Par contre, dans l'autre, il y a plusieurs niveaux, tu vois. Dans celui-là, c'est toujours la même map, là. À moins qu'après, t'aies plusieurs trucs, mais... J'ai même pas regardé en vrai s'il y est sur Keymailer. Pas ce mec, je suis pas connecté, putain. Ah non, ils l'ont pas. Hein. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait qu'une map. Hein. Enfin, pour l'instant, on n'en a qu'une en tout cas. Je vais prendre ça en vrai. Oh, c'est stylé! Frost Zone. Oh, je mets du froid aussi. Wow. Par contre, c'est abusé comme avec de la chance. Tu peux avoir des trucs de fou parce que tout à l'heure j'avais que de la vita, genre tu vois. J'avais de la vita et des rerolls. Oh, c'est fort, hein. Aura, nana, autour de moi, hit, et ça effraie. Area 600. Ok, je sais ça. Ça a l'air permanent par contre, non? Au fait, Palworld, ça en est où du contenu? Comment ça? Je crois qu'ils ont sorti le raid là, mais c'est tout. Après, ils ont fait pas mal de d'updates au niveau de qualité de vie. Tu peux mieux gérer tes pales et tout. Il y a eu quand même pas mal de petits trucs sympas, mais plus sur les quality of life. Tellement fort le freeze. Hein. Je sais pas si j'ai une frame d'invue sur le dash. Alors,
Oh, dommage, 60% carrément. Je peux l'upgrade à 144, c'est fort, hein. Juste mon aura, ça les dégomme maintenant. J'ai un build pété là en vrai, non? Oh, je peux encore l'upgrade. Hein. Voilà, dinguerie. Ok, qu'est-ce que j'ai? Les blades, ça se balade sur la map, du coup, je suis pas sûr d'efficacité. Attaque, une chance de créer. Non, non. Je vais prendre ça en vrai. Je vais avoir deux fois plus de chaînes comme ça. Quand il y aura les slimes, ça, je pense que ça peut bien m'aider, ça. Ouais, ça commence. Ouais, là, je les dégomme. Hein. Ah, le build est vraiment craqué, hein. Par contre, j'ai plus de vie, quoi. Ah putain, je me suis pris une ligne quoi. Et comment je fais si je veux changer de perso là du coup? Je peux pas pour l'instant? Ça m'étonne de pas pouvoir changer de perso là. Mais je crois que si, il doit y avoir une autre map après puisque j'ai vu qu'il y avait des actes. Il y a l'acte 1 et 2 apparemment. Regarde l'inventaire. Je sais pas comment je fais. Je peux pas ici, non?
Je sais pas, j'ai rien ici apparemment. Tac tac tac, B. Ah si, c'est B. Mairie, sorceresse. Ah, c'est aussi bête que ça? Ah non, c'est juste pour voir son inventaire, ça. Moi, j'ai que le E. Moi, je sais pas, c'est bizarre. Bah ça c'est pour l'autre, vu que c'est une épée du coup. Ça c'est quoi? J'ai pas assez je crois. Cost 22. Bah si j'ai cette thune là non? Ah mais c'est pour le chevalier ça, je peux pas. Ok. D'ailleurs, il y a des succès sur celui-là ou pas? Ah, je viens de tomber sur un truc totalement au hasard, Furio. Jeu d'extraction et d'horreur asymétrique, multijoueur JCE, JCJ. Ouais, c'est quoi la gueule des persos? Tiens, Furio, je te mets le lien dans le chat. C'est vraiment, on est vraiment dans l'époque des extractions shooter quand même. Hein. Ça pop de ouf en ce moment. C'est vraiment la vibe. Hein. On est vraiment dans la vibe extraction shooter. Ouais, il y a des succès, mais j'en ai eu aucun. Deal 1 million de damage with Meris. Pourquoi je suis à 0? Il marche pas les succès ou quoi? Ça veut dire que je suis à 0 sur les trucs là. Attends, voir succès. Mes succès Steam ils se chargent pas. Je sais pas pourquoi. Genre là je suis sur la sorcière par exemple et ça met que je dois faire 100 000 dégâts et j'en ai. Ça met que j'ai fait 0. Bizarre, non?
doing all right there, mortal. Sickle to face the scythe? They're more efficient. Oh wesh. Si je peux me heal en vrai, c'est le feu. Hein. Par contre, je me heal pas des masses. Hein. Ah, je crois qu'il faut que je détape derrière. Hein. Bah ça me heal pas. Je suis pas censé me heal avec ça. Je pense qu'Emulse va pas tarder. Je vais stopper là. J'espère que la VOD découverte vous aura plu, YouTube. Je vous dis des bisous et à très bientôt.